deux amis sont à l'intérieur d'une pièce. L'ambiance est bizarre et super tendue, et celui qui tient la caméra prend vraiment ses distances et s'éloigne du mieux qu'il peut de cette personne. Mais ce n'est qu'après s'être rapproché un peu de la personne qu'ils ont compris que ce n'était pas un déjanté, mais qu'il avait bien raison de réagir de la sorte. Regarde ce qu'ils ont capturé. ¿Qué se te perdió? ¿Nos quieres hacer daño? ¿Nos quieres hacer más daño? Mira, mira, dame un beso. ¡Lárgate! Te ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. Diosito lindo. ¿Qué quieres? No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, regresa. Une ombre apparaît dans le coin de la pièce. Cette ombre grandit et rétrécit aléatoirement. On peut même voir que des fois, elle réagit aux prières et aux paroles de la personne qui se tient devant elle. L'explication la plus logique dans cette situation est que la source de lumière dans la pièce change, ce qui aurait sûrement un impact sur les ombres. Mais on remarque que dans la vidéo, il n'y a qu'une seule source de lumière. Honnêtement, je n'ai aucune explication à donner sur ce phénomène, mais je peux compter sur vous pour me donner une idée. Numéro 2. Cette vidéo fut partagée par A.Marie1026 sur son compte TikTok. Elle upload souvent des vidéos normales, comme celle-ci par exemple. Elle était en train de préparer du pop-corn pour ses enfants, mais récemment, elle uploada une vidéo qui n'avait rien à voir avec le thème de sa chaîne. Elle remarqua quelque chose d'anormal sur l'un des enregistrements de sa caméra de surveillance. C'était au milieu de la nuit et tout le monde était en train de dormir paisiblement. Tout le monde, sauf le chat. Regardez attentivement ce qui va se passer, sinon vous risquez de le rater. Une silhouette blanche se penche de la porte de la cuisine. On dirait une sorte de tête fantomatique qui surgit de nulle part. Quelques secondes après, cette silhouette est propulsée vers le haut de la porte et plane pendant un bon moment avant de disparaître complètement. Apparemment, Marie partagea cette vidéo avec ses enfants et depuis, ils n'arrêtent pas de voir la même figure. Et jusqu'à présent, ils ne savent pas ce que la caméra surveillance a enregistré. Si j'étais à leur place, je déménagerais illico. Numéro 3. La prochaine vidéo fut uploadée par Edward. Il enregistre cette vidéo pour partager avec ses viewers la nouvelle maison qu'il vient d'acheter. Mais après avoir passé quelques journées dans cette nouvelle maison, ils se rendent compte que cet endroit est hanté. Des coups forts se font entendre la nuit et des objets changent régulièrement d'endroit et Edward ne sait pas pourquoi ces événements se déroulent. Apparemment, les objets qui disparaissent sont des reliques religieuses que l'ancien propriétaire avait laissées avant de partir. Peut-être que l'homme qui avait laissé ces reliques les avait achetées pour une raison. Et comme si ce n'était pas suffisant, quelque chose ou quelqu'un ouvrait les portes des chambres, mais personne ne se trouvait à l'intérieur. Dans cette vidéo, Edward entend quelque chose qui lui glaça le sang. Écoute attentivement.
début, il croyait que c'était la porte qui faisait ce bruit super bizarre, mais ce n'est pas le cas. Si tu as des explications, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Est-ce que tu aimes bien les histoires flippantes, les traits d'horreur ? Cool, je viens de créer une nouvelle chaîne du nom de Monsieur Flippant. Va y jeter un œil si tu es courageux. Toute personne de moins de 13 ans, s'abstenir. Numéro 4. La prochaine vidéo a été partagée par une chaîne YouTube du nom de Dark Dimension. Dans la description de leur vidéo, ils racontent que des explorateurs ont décidé de visiter un bâtiment abandonné tard la nuit. La légende urbaine raconte que très tard la nuit, dans ce bâtiment abandonné, des cris d'une femme se font entendre. Certaines personnes ont même prétendu avoir vu le fantôme de cette jeune femme hanter les murs du bâtiment. Les deux explorateurs adorent explorer les lieux abandonnés. Ils se sont dit « Pourquoi ne pas tenter notre chance? Peut-être que le fantôme va apparaître cette nuit-là. Qui sait ?» En ce moment, la personne qui tient la caméra a cru voir quelque chose, mais c'était tellement rapide qu'il n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Il a juste continué à explorer les lieux. Mais nous avons à notre disposition quelque chose que cet explorateur n'a pas, le ralenti. Regardez attentivement. Vous allez me dire, mais pourquoi a-t-il sursauté? Si tu regardes l'enregistrement à la vitesse normale, tu ne verras rien du tout. Mais si on ralentit un peu, c'est vraiment choquant. Regarde attentivement. Le visage d'une femme pâle apparaît deux fois de suite sur l'enregistrement. La première fois, il ne l'a juste pas vue. Mais on dirait que la deuxième fois, ça l'a fait crier de peur. Numéro 5. Cette prochaine entrée n'est pas une vidéo, mais une photo assez dérangeante. Elle fut publiée par l'utilisateur du nom de Po Léo. C'est son voisin qui l'avait prise durant l'été. Il a pris en photo les enfants de Po Léo qui étaient en train de jouer avec son fils dans le jardin. Le voisin était tellement terrifié de ce qu'il a capturé qu'il n'a pas osé le montrer à Po Léo. Demande bien ce qu'il a bien pu capturer. Après avoir partagé la photo sur Reddit, les réactions dans les commentaires étaient assez mitigées. J'ai oublié de mentionner que Po Léo habite près d'un cimetière. Il conclut alors que cette apparition émanerait d'une des tombes d'une personne qui fut enterrée dans le cimetière. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que cette photo est fake ou réelle? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Numéro 6. Onana est seule à la maison avec son chien Jesse. Tout est normal. Le chien est en train de jouer avec son jouet et c'est super mignon. Soudain, Jesse se met à agir de manière bizarre. Onana écrit « Quelque chose de bizarre se passe dans la maison. Voilà ce qu'elle a enregistré. Regarde attentivement. » What's wrong, baby? Come here. Hey, come here. Shh, come here, baby. Thank you.
What is it, love? Jesse. Jesse, come here. On dirait que Jesse est en train de voir quelque chose qui le met mal à l'aise. Son langage corporel passe d'un chien qui se marre à un chien sur ses nerfs. Et même un chien terrifié. Je ne sais pas s'il ressent quelque chose de paranormal, mais une chose est sûre, c'est que sa réaction est celle d'un chien qui se sent en danger. Plusieurs personnes pensent que les animaux arrivent à percevoir des choses que les humains ne peuvent pas voir. Et de ce fait, ils pensent que Jesse a bel et bien ressenti quelque chose. Regardez à ce moment précis. Jesse met sa queue entre ses pattes arrière, ce qui est un signe clair de soumission. Il a super peur. Jusqu'à ce jour, Onana n'a pas pu comprendre la réaction de son chien. Clique sur cette vidéo si tu veux voir plus de contenu flippant. Tu vas adorer, je te l'assure.